Obstination, détermination, concentration, addition, action, récréation. Les candidats ont revisité leur rime. Voici le juste prix avec Vincent Lagarde. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau du juste prix, il est 19h, on est sur TF1. Bonsoir les téléspectateurs, ce soir, comme tous les soirs, on est avec maman. Bonsoir maman chérie d'amour. Bonsoir, tu vas bien? Je vais parfaitement bien. À la bonne heure. Commençons par présenter nos quatre premiers candidats et data. Commencez par Géraldine. Bonsoir ma belle, vous allez bien? Bonjour. Oui. Géraldine, vous avez 20 ans. Oui. Dans oui, la tête. Oui. Dans la tête. Et vous avez la passion des voyages. Oui. Les voyages, pour vous, c'est quoi? C'est le farniente, c'est la découverte, c'est le sport, c'est... Le moins possible pour ne pas se fatiguer. Donc c'est bien ce que je dis, c'est des voyages où tu fous rien. Vous avez bien raison, reposez-vous. Kevin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bienvenu, Kevin. Merci. Kevin qui est venu avec des supporters. Vous avez 23 ans, vous êtes de Cuincy. C'est ça. Vous avez pour passion le judo. Vous faites quoi dans la vie? Je tiens une baraque à frites. Et alors? Et alors, pourquoi on ne peut pas faire de judo quand on fait des baraques à frites? On ne peut pas et faire du sport et manger. Hein. Ouais. Soyez le bienvenu. C'est gentil. Ça va être compliqué. Ah, j'en étais sûr, mais moi je le sais. Comment on dit? Chinzia. Chinzia. Bonsoir. Bonsoir, Chinzia. Ça va bien? Chinzia, vous êtes plus jeune que moi, donc je peux le dire. Vous avez 43 ans, mais vous ne les faites pas. Vous en faites c'est largement gentil, Vincent. 10 de... Attention. Merci. Vous habitez Saint-Jean-d'Ardière. Il y a combien d'habitants à Saint-Jean-d'Ardière? Deux, ils sont là. Voilà. Et vous avez pour passion la cuisine. Oui. C'est quel genre de cuisine, vous, votre spécialité? Alors, j'aime faire les gâteaux orientaux, surtout. Ah ouais. Soyez la bienvenue, Chinzia. Merci. Et on finit avec Coralie. Bonsoir Coralie, ça va bien? Coralie qui est la plus jeune, 24 ans, vous êtes de Grenay, vous avez la passion du shopping et vous faites chauffer la carte bleue. Bienvenue à vous quatre, on démarre tout de suite avec notre premier cadeau de sélection et le Bonico qui nous amène quoi? Alors il s'agit, les artistes vont pouvoir s'en donner à cœur joie grâce à cet ensemble composé d'un coffret de 90 pastels, d'un livre et de blocs de papier dessin et pour transporter vos œuvres, un porte-document. Ah, c'est joli, puis il est joli, c'est du beau matos, ça me plaît bien ça. Alors, regardez ce qu'on vous propose. Géraldine, à combien estimez-vous cela? 79. 79 euros. Puis alors, il y en a au-dessus, il y en a en dessous, il y en a partout, là. Là, il y a du matos. 99. Kevin. 99. Ouais. Kevin. 99. 99. Chinzia. Alors. Chinzia. Une fois. Hey, 102. 102 euros. J'ai peur. Coralie. 99 pour Coralie. Non, c'est déjà pris avec Kevin. 1 euro. 79, 99, 102, 1 euro. Le juste prix est en 2. Ah ouais, non, là, le 1 euro, il est pas comme ça. Hein, il est comme ça. 209 euros. C'est Tizia qui est la plus proche. Bravo, Tizia. Bravo ma belle. Chin-chin. Tchounette. Ah ouais, c'est joli ça. Pourquoi vous êtes spécialisée dans la cuisine orientale? Vous avez des origines orientales? Alors moi non, mais mon mari, oui. Il est d'où lui? Ah oui, Mohamed. Il est norvégien. Mouyoumed. Mais en plus, il a des yeux un peu bridés, un peu asiatiques quand on même. On sait pas ce qu'il est en fait. Ah ouais, ouais, on est paumé avec lui. Hein. Ah, il y a un bordel dans les gènes, là, je pourrais pas y habiter là-dedans. Hein. Vous avez des enfants ensemble? Oui, on a deux filles. Ah, elles sont belles comme Aliana, voilà. Ça va les filles? Vous avez un papa et une maman comme ça. Hein. Merci Vincent. Qu'est-ce qu'on propose à Tizia? Nous allons jouer dans les pas du gain. Les pas du gain. Allez, on est parti. C'est un jeu de marelle, vous allez voir. Les pas du gain. Voici Cyrielle. Merci ma belle. Voici trois cadeaux qui vont vous permettre
d'avoir des erreurs. Et ici, la marelle. Alors, venez, on va faire le tour du bazar. Et on va directement aller voir ce pourquoi nous jouons. Regardez ce que nous allons vous offrir. Gésia, vous jouez pour une moto de 1200 cm3 à injection électronique, ouais, porte séquentielle, ouais, et échappement chromé avec, ouais, double silencieux et bien évidemment, ouais, deux, voilà, casques. C'est pour moi. T'as les chaussures idéales pour faire de la moto, wow, hein, regarde. Allez, Cynthia. Il se peut que cette moto devienne vôtre. Je vais vous proposer de grimper sur le damier. Merci. Mettez-vous sur le chiffre central, le 1. Maintenant, vous allez tenter de recomposer le prix de la moto. D'accord. Vous allez pouvoir avancer devant, derrière, à droite, à gauche, jamais en diagonale. D'accord. Si vous pensez que la moto vaut 11 000 euros, vous avancez d'un pas. Si c'est 11 000 euros, ça s'allume en vert. Si c'est pas 11 000 euros, on recule d'un pas. On revient sur le chiffre initial et on fait une estimation. Si on fait une bonne estimation, on a le droit de choisir un nouveau chiffre. Et on enchaîne comme ça, et on a trois droits à l'erreur. D'accord. Okidoki, Cynthia. D'accord. 17 000 euros, c'est un pas à droite. 13 000 euros, un pas à gauche. 11 000 euros, un pas devant. 10 000 euros, un pas derrière. D'accord. Cynthia. Alors. Zéro. Oui, bravo. Alors, si vous pensez qu'elle vaut 10 900, c'est un pas à gauche. 10 500, un pas derrière. 10 400, un pas à... Pardon, à droite. À gauche, 900, à droite. Mais le 1, Cynthia, le 1, il ne rejoue pas. Donc là, c'est une chance sur 3. Mohamed dit le 9. Allez, je suis mon mari. Hein. Allez, le 9. Ouais. Il manque juste deux chiffres. Allez. Une chance sur 3. 12 900. Donc là, maintenant, c'est une chance sur deux. Donc forcément, vous avez gagné la moto. Ouais, bah oui. Sauf si vous nous faites trois mauvaises estimations, mais ça relève de l'impossible. Je vais pas y aller, Vincent. Même pas en rêve. Cynthia, vous allez peut-être être la première à nous faire un grand chelem du premier coup. C'est vrai. Absolument. Ouais. Alors, 10 938 ou 10 933 ? 10 938, 10 933. Retournez sur le 3. Bougez plus ! Alors, nous avons tout d'abord un petit bateau en bois que l'on propulse avec un élastique. Ah ouais. Non, je sais pas. Ah oui. Oui, si. Ouais. Ok, tac, 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 tac. Et on le pose dans l'eau. Et il avance tout seul. 8 ou 19 ? 8. 8 euros. Et c'est 8 ouais euros. Attention, réfléchissez bien. Hein. Vous allez sur le 8 ou sur le 8 ? Pas le 8. Réfléchissez, attention. Hein. Attention, attention. Allez. Avec Alice, récupérez votre moto, bravo! Cynthia, vous nous quittez avec un coffret de 88 pastels et une moto, tout ça pour une valeur de 11 147 euros. La moto est gagnée, ça c'est fait! Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Ce soir, nous avons réalisé une sélection de choix. Les 5 derniers écrans high-tech, rien que pour vous. Vous allez avoir un smartphone, une tablette tactile, un ordinateur et deux écrans plats. Alors pour cela, nous allons jouer à une d'entrée. Le principe est très simple. Vous allez devoir comptabiliser le nombre de dents qui vont apparaître dans cette bouche. Et je vous rappelle que vous avez droit à une marge d'erreur de plus ou moins une dent. Vous avez trouvé ? Alors, envoyez votre réponse par SMS au 7-14-14 ou par téléphone au 36-80. Merci, Cyrielle. Maman, il y a un trou ici, là. Oui, et nous allons le combler. Avec, ne me dis rien, ne me dis rien. Je sens, vas-y. Je sens venir une Sonia. Oui. Et elle nous vient de Marseille. Bonsoir. Ça va, Sonia? Ça va, merci.
Sonia, vous avez 44 ans, vous arrivez de Marseille et vous avez la passion de la danse orientale. Eh bien, si vous êtes sélectionnée... Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, amène-nous le... Très joli set de rasage 3 pièces. Il est composé d'un rasoir mécanique, d'un blaireau en poils naturel et d'un bol à savon. Et il est en acier inoxydable. Ah non, c'est mouillé. Ah ouais, c'est du poil de blaireau, ça. Ah, ça sent, hein, ça sent le blaireau, franchement. Ou alors, je ne sais pas. Alors, Sonia. 49. 59. Allez, 49. 49, allez, 49. Coralie. Alors, plus 59. 59 euros. 59 euros. Et on va avec Géraldine. 60. 60 euros pour Géraldine. Et on finit avec Kevin, le spécialiste, parce que vous en servez. 61. 61 euros. Merci, Alice. C'est tout dans un mouchoir de poche. 59, 60, 61, 49. Le juste prix étant 2. Nous avons un juste prix. Et il est... Marie avec 59 euros, félicitations, bravo. Vous me refaites encore le petit cri là? Oh, j'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! Il y a un homme dans votre vie? Oui, il est présent, Vincent. Il est là, il est où? Il est dans le public. Eh ben, c'est pas grave. On a un bon contact tous les deux. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis aide-soignante, Vincent. Aide-soignante? Mettez-vous, ça vient vous faire un massage. Attends, oui, maman, oui. Non, maman va y aller. Non, non, regarde, hop là, ça y est, je suis récupéré. Ah oui, t'as vu là. Qu'est-ce qu'on va proposer à notre sympathique Coralie? Je voulais juste te dire une chose parce que. Ah, attention, on balance du dossier. C'est pas un dossier, non, c'est un défaut et je trouve que vous ne l'êtes pas quand je vous vois. Il paraît que vous êtes gueularde. En effet. Et je suis la femme de ma maman qui est présente. Elle est où votre maman? Elle se cache. Elle est là. Ah ouais, elle gueule maman aussi? C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose à dire, vous ne savez pas le dire, vous le gueulez. C'est ça, en effet. Ouais. C'est-à-dire que, monsieur confirme, hein, il laisse un truc traîner, au lieu de dire « Chérie, t'as laissé tes chaussettes, là, sois gentil, remets-les dans le tiroir », c'est « Eh, c'est quoi ce bordel, là? Tu prends pour ta bonne ou quoi? Mais t'as fait chier toute ta vie avec tes chaussettes de merde !» C'est ça, un peu de choses près, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on propose à Coralie? On va jouer aux trois tiers. Une voiture à gagner après la moto, hein, Tana? Et attention, elle gueule, hein. Quand elle n'est pas contente, elle gueule. Santé. Va, Nico. Venez, Coralie. Bon, tu te dépêches, maintenant. Voici la voiture. Coralie, vous allez pouvoir gagner une voiture 5 portes, 1 litre, 12 soupapes, anti-démarrage électronique, autoradio MP3, un GPS et deux sièges auto. Quel âge ont les enfants? Mon plus grand il y a 4 ans et la petite va avoir 1 an dans quelques jours. Il y a les sièges enfants. Nickel. Venez ma belle. On va la gagner. Si, si, on va la gagner. On va la gagner. Maman est sympathique et elle va déjà vous offrir un des trois chiffres qu'il va falloir trouver. D'accord Vincent. S'il te plaît Nico. Voilà. Je ne pouvais pas faire mieux, je suis désolée. Oh là, je ne pouvais pas faire mieux, je suis désolée. C'est déjà bien, merci. Merci. Tu n'as pas à être désolée, maman. Tu es généreuse, tu es belle, tu es bonne, tu es grande. T'es ma mère. Oui, lui, il a besoin d'argent. Il faut trouver le prix du devant et le prix du derrière de la voiture. Si vous trouvez les deux prix, vous repartez avec la voiture. Je ne peux pas vous dire mieux. Si vous pensez que la voiture vaut dans les 12 000 euros... Eh bien, on met un 12. Si vous pensez qu'elle vaut 78 000 euros, on met 78 devant. Le seul problème, c'est que quand je soulève, s'il y a une croix,
c'est paumé. On a le droit de choisir un deuxième prix. D'accord. Et s'il y a encore une croix, c'est encore paumé. Dès que je vois trois croix, le jeu c'est s'arrête. Fini. Ok ? Allez, Coralie, choisissez un prix. Pour commencer, 10 ou 12 ? 12, Vincent. 12 ? Allez, prenez le 12. Allez-y, soulevez. Yes ! On a le devant de la voiture. Ça, ça symbolise le devant de la voiture. Coralie, est-ce que vous la voyez ? À 12 078, 12 052, 12 050, 65. Alors, 65 ? Ouais. 65. 12 065 euros ? Ouais. Attention, hein, si vous lui dites 65 et que c'est pas 65, il faudra pas gueuler. Hein. Oh, c'est elle qui va gueuler. C'est elle qui va gueuler. Hein. 65 ? Alors, 65. 65, allez-y. Aïe, aïe, aïe. Donnez-le à Nico. Non, à moi. Oui, vas-y. Alors. On a encore deux possibilités. Alors. 78, 52, 37, 19, 10, 43, 26. 78 ? Ouais. 78 ? On va tester. Attends ! Allez-y, 78, et c'est... Coralie, votre époux lui dirait quoi, lui ? Vous êtes mariée d'abord ? Non. Eh, t'es même pas mariée ! Alors, s'il te plaît, hein ! Combien il dirait ? Vous diriez 19 comme votre moitié ? Maman, alors, qu'est-ce qu'il dit, maman ? Maman, qu'est-ce qu'il dit ? Maman dit 52 ! Si je prends pas 19, j'aurai un regret. Mais à la fois... Public ! 43 ! Vous venez de dire 43 ? 43, oui. Donc on a maman 52, vous et votre époux 19, et là le 43. Il vient d'où le 43 ? Bah, du public. Ah d'accord, ok. 19 ! Coralie ! 19. Vous vous arrêtez sur quoi ? Sur le 19, hein. Sur le 19, d'accord. Regardez, le public a dit 43. Ouh ! Maman a dit 52. Oui. Ouh ! Vous restez sur le 19 ? Oui, Vincent. Vous voulez changer ? Non, je ne change pas, Vincent, c'est mon dernier choix. Maintenant, il faut se poser la juste question. Est-ce qu'il faut changer ou pas ? Est-ce que je change ? 19 ? Change pas ? Non ? Non ? Vincent. Est-ce que vous allez changer ? Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Bon, je reste seul. 19, Vincent. Vous restez sur le 19 ? Oui, Vincent. Je vous aurais prévenu, hein. Bravo, Coralie ! Vous repartez avec un set de rasage, le chèque du juste prix et une voiture, tout ça pour une valeur de 12 178 euros. Voilà, tu vas monter dans la voiture, puis tu vas arriver, passer tout le monde. Tu montes dans la voiture, attends, tu vas de côté, puis on va y aller. On va pas y passer toute la nuit non plus. Hein, tu te dépêches. Et tu mets ta ceinture. Et voilà, une moto et une voiture. Ça, c'est fait. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, écoutons la douce voix de Cyrielle pour la deuxième fois de la soirée. Chers téléspectateurs, la bonne réponse au premier jeu était... 22. Je vous rappelle que ce soir, vous jouez pour remporter les 5 écrans high-tech dernier cri. Nous jouons à une dent près, les règles n'ont pas changé. Il vous suffit de comptabiliser le nombre de dents qui vont apparaître dans cette bouche. Alors. Vous avez trouvé ? Alors envoyez maintenant votre réponse par SMS au 7 14 14 ou par téléphone au 36 80. Et je vous rappelle que vous avez droit à une marge d'erreur de plus ou moins une dent.
Bonne chance. Un dernier candidat pour la soirée, maman. Il nous vient de Nantes. Il s'appelle Alexis. Alexis. Un petit Nantais, ah, tout bien. J'adore. J'adore les petits Nantais. C'est vrai? Oui, tout va mieux. Alexis, installez-moi, je vais être Sonia. Alexis, vous êtes jeune, vous êtes breton, vous avez 27 ans, vous arrivez de Nantes et vous avez la passion des sports mécaniques. Quel sport mécanique? Parce qu'il y a beaucoup de sports mécaniques. C'est vrai, principalement la moto. La moto, d'accord. Alexis, vous allez avoir la priorité pour tenter de découvrir le... Il s'agit d'un cheval à bascule qui chante et simule le bruit du galop. Il ouais. avance aussi grâce à de petites roulettes. Ouais. Oh bah dis donc comment elle le tient. Par la queue. Oui, oui, bah moi tu me descends pas de la bagnole comme ça, hein, tu m'entends te dire. Hein. C'est mignon. Il y a la musique. Mais alors, qu'est-ce que tu me fais là? Ouais, ça va, ouais. Mais arrête, Cyrielle, s'il te plaît. Ah non, mais je te jure, alors vraiment maintenant. Hein. Alexis, combien le cheval? Ah ouais, 79. 79 euros. Géraldine. 90. 90. Kevin. 129. 129. Et on finit avec Sonia. Vous dites combien? 130 euros. 130 euros pour Sonia. Le juste prix est en deux. Ah ouais, vous l'avez tous large dépassé. Sauf Alexis avec ses 79 pour 89 euros. Géraldine, vous l'avez dépassé d'un seul euro. Ah, c'est ballot. Notre pilote de moto. Notre pilote de moto qui se sélectionne. Vous êtes marié, vous êtes fiancé, il y a une femme dans votre vie? Il y a une femme dans ma vie, en effet. Elle est où? Qui est juste elle là, est là. Priscilla. Ah oui, vous n'avez pas choisi la plus moche. Est-ce que vous avez peur, Priscilla, quand il part faire de la moto sur les circuits? Vous avez été courir sur les circuits d'Espagne, à Valence, tout non, ça? Pas encore, non, pas encore. C'est à venir. D'accord. Après la pub, on fera... Nous allons jouer au dessus-dessous. Allez, dessus-dessous, juste après la pub. A tout de suite. Sportif avec Alexis et la jolie Alice. Nous sommes de retour sur le plateau du juste prix. Et maman nous a confectionné un bon nombre de cadeaux que l'on va tenter de gagner avec le dessus-dessous. On découvre tout de suite ce qu'on va gagner. Eh bien, c'est comme vous voulez. On y va, Alexis. Alexis. Ouais. Regardez, c'est alors là-bas. On y va. Alexis, vous allez pouvoir gagner une chambre à coucher avec un lit en 180 par 200, deux chevets avec deux tiroirs, une armoire 5 portes avec miroir. Il y a aussi une lampe, un radio réveil, un baladeur MP3, un plateau de lit et une tablette tactile. Allez, gelé aussi. Tout ça pour une valeur de 2376 euros. Ah ouais. Elle a été agitée la nuit, là. Oh bah, elle est bien, là. Eh ben, tiens. Alexis, est-ce que vous pouvez me citer trois objets que je viens de dire? Absolument pas. Oui. Voilà. Alice, l'oreiller et l'armoire. Alexis. Oui, oui, je suis là. Alice, laisse Alexis, il est marié, il a une fiancée charmante. Vous n'avez pas d'enfant encore? Non, pas encore. Bien. Nous allons tout de suite... Et elle se rapproche, là. L'autre est en train de se dire, ah, d'ici la fin de l'émission. Nous avons ici six éléments. Et il va falloir mettre les trois plus chers au-dessus et les trois moins chers en dessous. D'accord. À commencer par cette glace. Un pot de 500 ml de crème glacée à la vanille avec des morceaux de cookies et des pépites de cacao. Une boîte de 14 sachets de mélange d'épices au safran sans colorant artificiel pour parfumer le riz. Un sachet de 1 kg de noix sèches du Périgord. Ensuite, nous avons un tube de harissa, une sauce piquante de Tunisie au piment rouge fort. Moi, je peux pas, ça je peux pas. Ça, je regrette. Une boîte de 100 g de crevettes mises en boîte fraîche. Quand elles sont mises en boîte, elles sont fraîches. Après, nous, il y a 4 ans qu'on l'a, la boîte. Hein. Et les sticks à lèvres. Un lot de deux sticks à lèvres réparateurs et protecteurs pour les lèvres fragilisées et desséchées. Ok, alors à votre avis, lesquels sont les trois plus chers? Vous nous le dites et avec Alice, on met tout en haut. Alors moi, il y en a un. Déjà, le cookie dog, il est en haut. La glace, c'est cher? Ouais, la glace, okay, c'est cher. Ok, la glace, c'est cher. Vas-y, la glace, c'est cher. La glace, c'est cher. Ah, la glace, c'est cher. C'est cher. C'est cher, la glace. La glace, c'est très cher. Ouais.
Le stick à lèvres. Si, c'est cher ça. C'est cher ça. Parce qu'à force de bouffer des glaces, on est obligé de prendre le stick à lèvres. Il y en a deux, stick lèvres. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux stick lèvres. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y a deux lèvres. C'est comme les chaussures. Hein. C'est du safran, ça, oui. C'est cher le safran, hein. Allez, les noix. On a dit les noix. Vas-y. J'hésitais entre. Attention, les noix. Ne les fais pas tomber parce que si elles tombent, elles cassent, hein. Voilà, va pas nous casser. Les noix. Et voilà. Voilà, non, non, c'est l'autre qu'on va monter là-haut. Bien. Alors, si les glaces, les noix, si la glace, les noix et les stick à lèvres sont plus chers que l'harissa, l'épice et les crevettes, vous repartez avec le coach. Avec le coach, ah bon. Non, si vous partez avec le coach, faut que j'en trouve un autre à maman et on s'en sort plus. Non, mais de toute façon, si vous partez avec le coach, maman part avec le coach aussi. Donc, ah, maman aime le coach. Hein. La glace, elle vaut 4,95€. Ouais, c'est bien. Larissa c'est bien. Vaut 0,49€. Là, j'ai moi, j'ai un doute là-dessus. Là. Là, j'ai un doute. J'ai un doute. Ouais, hein. On va le garder pour la fin. Les noix. 5,61€, tout va bien. Les crevettes. Ah, ouais. 4,10€ les crevettes. Ah, quand même. 4,10€. Eh, si ça se trouve, c'est les crevettes qui ont merdé. Le stick à lèvres. 5,38€. Bon. Il y en avait deux. Il y en avait deux. Ouais. Il faut que les épices soient moins chères que 4,95€. Ouais. Yeah. Et si vous repartez avec un cheval à bascule et une chambre à coucher, tout ça pour une valeur de 2465€. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons tenter une dernière fois Cyrien. Chers téléspectateurs, la bonne réponse au second jeu était 22. Dernière chance pour vous de remporter les 5 écrans high-tech dernier cri. Nous jouons toujours à une dent près. Le principe est le même. Il vous suffit de comptabiliser le nombre de dents qui vont apparaître dans cette bouche en sachant que vous avez droit à une marge d'erreur de plus ou moins une dent. Vous êtes prêts? C'est parti. Envoyez maintenant votre réponse par SMS au 7-14-14 ou par téléphone au 36-80. Le nom du gagnant tiré au sort parmi les bonnes réponses s'affichera lors de la prochaine émission. Bonne chance. Merci Cyrielle. Le public est prêt. Maman est prête. Ouais. Les candidats sont prêts. Voici la finale. Et pour la finale, nous appelons Alexis, Coralie et Chinzia. Venez vous mettre à mes côtés. Donc là, jusque-là, on peut dire que tout va bien. Parce que Chinzia part avec une moto, Coralie part avec une voiture et vous partez avec une chambre à coucher. Tout à fait. Et là, il y a une vitrine à gagner. Donc forcément, il y aura un gros gagnant ce soir s'il part avec la vitrine. Vous allez pouvoir tourner la roue deux fois. Quelqu'un additionnera les deux résultats. Et si le résultat obtenu dépasse 100, il vous éliminera. Vous devez faire en sorte que la roue fasse un tour complet. Ne dépassez pas 100. Bonne chance. Alexis, à vous de démarrer. Pas mal. Faut pas rejouer à cela. C'est difficile de rejouer. Hein. Ouais, oui. On sent le sportif, il dit attends, c'est bon, on est sur le podium là. Qu'est-ce que tu veux qu'on rejoue la course là? C'est un peu ça. Ouais. Allez, mettez-vous à côté de Nico, Coralie. La question se pose pas, on est obligé de rejouer pour essayer de battre 75. Allez, Coralie.
55. Et 30, c'est bien, c'est bien. 30. Allez, allez, allez. Wow. 55 et 30, 85. Vous venez de détrôner Alexis. Bon retour Alexis, merci de votre visite. Alexis, vous repartez tout de même avec un cheval à bascule et une chambre à coucher, tout ça pour une valeur de 2465 euros. Chizia, 85 à battre. Chin chin. Ah ben on est obligé, hein, sinon on s'avoue vaincu. Allez. Il faut qu'elle fasse un tour. Hein. Oui, il faut qu'elle fasse un tour complet. Si vous faites 30 de plus, vous arriverez comme Coralie à 85. Et on tombe sur le 45 quand je descends. Cynthia, je vous fais un bisou. Merci. Bon merci. Retour. Merci de votre visite. Cynthia, vous nous quittez avec un coffret de 88 pastels et une moto, tout ça pour une valeur de 11 147 euros. Merci. Voici merci. La vitrine. Coralie, vous profiterez de moments de relaxation totale grâce à cette bibliothèque de 4 portes en pain massif, ce fauteuil de massage avec position zéro gravité pour libérer son stress de manière optimale et cette petite table d'appoint. Coralie, de l'autre côté, ambiance cosy toujours avec cette salle à manger constituée d'une table avec plateau ciré et 4 chaises, une console, une commode 3 tiroirs, une lampe, de la vaisselle, un lampadaire et des objets de décoration. Vous aimez les voyages, Coralie ? J'adore Vincent. Allons voir où vous allez partir. Côté voyage, vous partirez 16 jours pour un périple au cœur d'une nature somptueuse au bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Vous irez de lacs étincelants, fjords gigantesques. Et c'est à bord d'un bateau que vous naviguerez sous les chutes d'eau de Milford Sound. Vous croiserez des espèces rares, les otaries à fourrure, les manchots aux yeux jaunes et le brown kiwi. 16 jours pour 2 personnes. Et pour terminer cette vitrine, la voiture! Une voiture 5 portes, 1 litre 1, 75 chevaux, climatisation, lecteur CD MP3 avec commande au volant, un GPS et un lecteur DVD portable. Coralie! Repartir avec 2 voitures. Concentrez-vous. Vous allez avoir 25 secondes pour trouver le juste prix de cette vitrine qui ne peut excéder 50 000 euros. Articulez, laissez-moi le temps de vous répondre, écoutez ce que vous dites. Je vous souhaite bonne chance. Merci. On y va ? On y va, Vincent. Allez. 28 000. C'est plus. 29 000. C'est plus. 31 000. C'est plus. 32 000. C'est plus. 33 000. C'est plus. 34 000. C'est plus. 35 000. C'est plus. 36 000. C'est plus. 37 000. C'est plus. 38 000. C'est moins. 37 500. C'est moins. 37 400. C'est moins. 37 300. C'est moins. 37 100. C'est plus. 37 150. C'est plus. 37 160. C'est plus. 37 170. C'est plus. 37 180. C'est plus. €37 298. Vous partez pas sans rien. Sans rien avec une voiture. Bravo Coralie, vous repartez avec un set de rasage, le chèque du juste prix et une voiture, tout ça pour une valeur de 12 178 euros.